en territoire des Tigres. Bon, qui revient en bouchon depuis là, Nadeau. Nadeau qui s'avance, le tir et le but. Alors, reçoit la passe ici de Maverick Bourque. Et dès qu'il reçoit la passe en mouvement, il se dirige vers l'enclave et réussit à déjouer la vigilance du gardien de but, Darvaux. Réussit juste à la droite de Darvaux, donc. On s'échange bien la rondelle en territoire adverse. La remise à l'embouchure du filet, c'est Nadeau. Passe de l'autre côté, le tir et le but. Une passe et la rondelle aurait peut-être dévié ou peut-être rentre-t-elle directement d'un autre angle. On va le voir ici. Donc, Dubé qui remet dans le bas de la zone. Et là, Nadeau qui remet vers le côté gauche. Et aucun centre naturel, aucun de leurs centres réguliers là, qui est en uniforme en raison des blessures. Là, la tire et on a bien dévié. Voilà, vient compléter son tour du chapeau. Olivier Nadeau qui redirige derrière Darvaux. Nadeau 3, Victoriaville 0. Belle percée offensive de la part des Cataractes. J'ai beaucoup aimé comment Olivier Nadeau s'est dirigé vers le... Des gros ailiers derrière son tir. Ça a touché au patin de Dubé là, qui s'est jeté devant la rondelle. Revient derrière pour Mainville. Le tir de Mainville et le but! Pierre-Marc Mainville, son premier carrière dans la LHJMQ, c'est 3-1. On va ramasser la rondelle pour le jeune Mainville qui a été rappelé des rivages du Collège Charlemagne. Oui, absolument. Alors, c'est une belle présence de la part des Tigres en zone offensive. On va revoir la séquence. Donc, on a créé de la circulation devant le gardien de but. Et ça l'a empêché Antoine Coulombe de bien voir. On sent son adverse, ça va devant Coulombe. Le tir et le but! Il a fait sauter la bouteille d'eau, c'est 3-2. Wow, tout un tir! Quelle vitesse en zone neutre pour soutirer la rondelle libre, la rondelle qui était en zone neutre. Donc, mise en jeu en zone défensive du côté des Tigres. Et moins de 10 secondes plus tard, la rondelle est dans le filet adverse. Le défenseur qui fait 5. Carl Mallette. Les enjeux qui est rapporté par les Tigres. C'était la première mission, la remise à Roy derrière. Roy à Sullivan. Sullivan qui fait demi-tour. La première punition est terminée. Ménard vient de sauter sur la patinoire. 5 contre 4. Le tir bloqué, retour devant. C'est libre et le but. Il a été marqué par l'ancien des Cataractes, Jérémy Martin. C'est 3-3. Alors le joueur de 20 ans, Jérémy Martin, qui fait mal à son ancienne équipe. Par Dubé. Dubé à nouveau à... Le tir revient, le but est inscrit. Pierre-Éric Dubé qui a tiré. Est-ce que ça a dévié devant? Ça a frappé le haut du filet. Les Cataractes reprennent les devants 4-3. Ouais, Nathan Darvaux qui est battu du côté de la mitaine. Pierre-Éric Dubé, de l'angle qu'on a, c'est la rondelle est rentrée directement. Un peu de circulation, Maverick Bourque qui est devant le filet. Sauf qu'ici, Pierre-Éric Dubé qui tire, utilise le défenseur des Tigres, Michaud, comme écran pour vraiment se positionner et laisser partir le tir à la gauche de Michaud et à la gauche de Nathan.